Bonjour, chers étudiants. Je suis Aguin Lam, professeur de français et de technique d'expression et de communication à l'université Alindiop de Bambé. Je vous présente le chapitre 1 du cours mutualisé pour tous les départements de cette université en master 1. Ce chapitre porte sur la communication. Alors, voici les éléments de ce cours, de ce chapitre. La communication, dans sa dimension à la fois écrite et orale. Deuxième élément, la genèse de la communication. Troisième élément, la communication verbale. Puis quatrième et dernier élément, la communication non-verbale. Premièrement, la communication. Alors, nous allons commencer par des éléments de définition. Beaucoup plus qu'un simple échange d'informations entre un émetteur et un récepteur, la communication est un processus complexe au cours duquel les différents protagonistes ne cessent de chercher à s'influencer réciproquement, à négocier des positions et à définir ou redéfinir leurs relations. Cette définition mérite qu'on s'y arrête un petit peu. En effet, communément, on définit la communication comme un simple échange d'informations entre émetteur et récepteur. Cette définition est un peu simpliste, dans la mesure où la communication est un processus non seulement dynamique, mais aussi complexe. Et que c'est un processus au cours duquel les protagonistes ne cesse de chercher à redéfinir leur relation. Ça signifie que toute communication s'inscrit d'abord dans un champ de relations. Il faut tenir compte donc de la nature de la relation qui vous unit à votre interlocuteur. Si vous ne voulez pas avoir de problème dans votre communication. Ainsi, un subalterne dans l'administration ne peut pas se permettre de donner des ordres à son supérieur hiérarchique. Il est obligé de tenir compte, de respecter la hiérarchie. Je peux évoquer à titre d'exemple une situation que vous avez déjà connu certainement, évoqué avec vous, peut-être des souvenirs, vos souvenirs de collégiens et de lycéens. En effet, il vous est arrivé souvent, en classe, de voir votre professeur énervé, excédé par le comportement général de la classe, soit qu'elle ait fait preuve d'indiscipline, qu'elle ait fait trop de bruit, ou tout simplement que les résultats de l'évaluation, la dernière évaluation, n'ont pas été à son. Et il lui arrive donc de lancer comme ça, sous le coup de l'énervement, bande de cons ou bande de paresseux. Et comme souvent, on entend les élèves protester. Mais monsieur, le respect doit être réciproque. Monsieur, le respect doit être réciproque. Ce faisant, ils redéfinissent le champ de relation qui les unit à leur professeur. Certes, ils doivent du respect, mais lui aussi, il leur doit du respect à son tour. Le respect est réciproque. Dans une communication, et surtout dans le milieu du travail, où certaines activités, les réunions notamment, donnent souvent lieu à des négociations
parce qu'il faut prendre des décisions et il y a souvent des camps opposés, des points de vue divergents. Il faut donc arriver à des compromis et cela passe par la négociation. Dans une communication aussi, on cherche souvent à influencer son interlocuteur, soit à l'amener à agir d'une certaine façon, soit à l'amener à changer sa façon de voir les choses, sa conception des choses. Et avec parfois, en sourdine, une volonté de manipulation. Donc, il faut être attentif et ne pas se laisser manipuler au cours d'une communication. Mais la communication n'est possible que si émetteur et récepteur ont en commun, au moins partiellement, le même code, c'est-à-dire le système de signes dans lequel a été transcrit le message. Si on ne parle pas le même code, la même langue, on ne peut pas se comprendre, on ne peut pas communiquer par conséquent, sauf à recourir à un interprète avec les limites liées à ce genre d'exercice. Souvenez-vous, le traduttore, traditore, que toute traduction est trahison. Toutefois, la communication ne se ramène pas à l'échange verbal, car il existe d'autres systèmes de communication, tant humains que non humains, dont la danse des aveugles est le plus célèbre. Comprenez par là que l'être humain n'est pas le seul à communiquer, et même les animaux arrivent eux aussi à communiquer. Nous avons maintenant la communication écrite. La communication écrite se distingue nettement de la communication orale. Sa caractéristique principale, c'est d'être une communication différente, en ce sens qu'elle reprise, qu'elle met en relation deux personnages séparés par la distance, par l'espace. Interlocuteur et locuteur, auteur et lecteur, donc, ne sont pas au même endroit. C'est pourquoi l'émetteur doit veiller à la clarté de son message. En effet, le feedback ne se faisant pas en temps réel, il est impossible pour l'interlocuteur, pour le lecteur, de poser des questions de clarification et de demander des précisions en temps réel. Il s'ajoute que ne bénéficiant guère des béquilles ou appuis paraverbaux, le ton, la mimique, la gestuelle, le regard, qui sont ô combien précieux dans une situation de communication orale. La communication écrite, puisqu'elle ne bénéficie pas de tout ça, de ces éléments, doit reposer essentiellement sur les mots, lesquels doivent être justes et précis. Ainsi, texte littéraire excepté, le message écrit ne doit soulever aucune ambiguïté, ne suscite ni interprétation ni commentaire. Il doit en effet se suffire à lui-même, être autonome. Les idées doivent y être exposées avec une précision et une rigueur scientifique. À cet effet, on pourra s'appuyer sur les questions de la méthode QQOQCBC. Qui parle, quand, où, quoi, comment, pourquoi, combien. Pour les caractéristiques des différents types de textes littéraires et professionnels, nous renvoyons au cours de techniques d'expression et de communication en licence 2, la typologie de texte, et en licence 3, les écrits sociaux et la rédaction administrative.